Exerçant à l'origine dans la fabrication des équipements électroniques et électroménagers, cette entreprise a développé, grâce à l'expérience diversifiée de son collectif, une approche de qualité vis-à-vis de ses clients. Il y a plusieurs montages, plusieurs opérations pour le montage. Il y a une transformation métallique, c'est transformer une matière première en 10 pièces pour monter un réfrigérateur. Il y a une transformation de plastique pour transformer le plastique pour 10 cubes réfrigérateurs. Selon le modèle désiré, après, il y a un pré-assemblage pour l'armoire et les portes. Fondé depuis une quinzaine d'années dans la zone industrielle des Bibans, l'établissement se lance dès lors en 2009 dans la production des équipements domestiques qui d'ailleurs s'écoule avec aisance sur l'ensemble du territoire. 200 pièces par jour, c'est pour le réfrigérateur. Et pour le congélateur, c'est 50 congélateurs par jour. Le savoir-faire acquis de cette entreprise s'est affirmé sur le marché national. Une entreprise dont le complexe de montage et d'assemblage a été un stimulant concurrentiel pour les autres unités de fabrication de produits blancs dans la région. Notre objectif, couvrir les besoins du marché national. Nous visons aussi l'exportation de nos produits dans les pays africains, arabes et européens. L'industriel borgien Ababou s'est érigé en véritable promoteur dans une branche d'activité qui stimule, rappelons-le, la croissance industrielle, une relance de la production locale qui sonne le glas de la politique du tout import en signifiant que les opérateurs économiques algériens ont les compétences et les moyens pour produire mieux et plus.